Julie Pietri en interview sur Made in 80. Bonjour Julie Pietri et merci d'accorder quelques instants aux auditeurs de Made in 80. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un événement important puisque vous célébrez vos 40 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel le 8 mars prochain à Paris au théâtre de la Tour Eiffel. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Comment vous dire ? À part que je suis dans les dans le stress le plus complet, je ne vais pas vous révéler les surprises, il y en a un certain nombre, mais en tout cas, je peux vous assurer que, bien sûr, il y aura les incontournables chansons que le public connaît, mais aussi des nouveautés et encore une fois des surprises. Donc, je ne vais pas tout vous révéler parce qu'on est à peine 6 ou 7 jours de cet événement qui me tient vraiment particulièrement à cœur. J'en bégaye de joie. Effectivement. Puisqu'on parle de vos débuts, Julie Pietri, vous êtes dans tous les réveillons, bien sûr, avec les chansons « Ève, lève-toi » et « Maria Magdalena ». Mais pas que, si je vous dis la chenille, c'est le début de votre carrière et on le sait peu, mais vous faisiez partie de la bande à Basile. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Ah, un souvenir très rigolo, où tout était à faire, où moi j'apprenais tout, le studio, la danse, tout. C'était bien de faire ses armes. À l'époque, il n'y avait pas de Starac ou de choses comme ça, donc c'était vachement bien d'apprendre son métier. Au sein d'un groupe coloré pour les enfants, Commedia dell'arte, moi j'étais la gitane. J'apprenais tout et on partait déjà en concert partout. On a même fait la première partie de Salvatore Adamo à l'Olympia. Donc ça a été une super école, voilà, et un souvenir vraiment rempli de joie. D'accord. Vous faites partie de plusieurs tournées, H tendre et tête de bois, Star 80, et on peut vous voir sur scène maintenant aux côtés de Samantha Fox, Ryan Paris, Spania, Frankie Vincent et d'autres artistes des années 80, avec la tournée Best of 80. L'aventure continue, c'est le contact avec le public qui vous motive ? Oh oui, je peux pas perdre ça, je veux dire, faire 3 zéniths par semaine, c'est quand même... C'est quand même le plaisir d'aller se produire devant un innombrable public. Non, c'est génial. Ça veut dire qu'on est toujours dans le sens du vent, qu'on est des gens à la mode et que, ou je dirais plutôt, on surfe sur la nostalgie des années 80 aussi. Ce qui veut dire que les gens, on est un peu le doudou des gens, ou comme je dis souvent, on est des madeleines de Proust. Hein. On s'imagine toujours que les temps d'avant étaient meilleurs. Moi, je suis pas si sûre, mais j'ai mis quelques réserves. Mais en tout cas, c'est très agréable de pouvoir faire ça, surtout que là, sur Best of 80, je suis la vedette de la tournée. Donc, je passe à la toute fin. Voilà. D'accord. On le sent que vous aimez votre public, et en tout cas, il vous le rend bien. Ah, ça, c'est vrai. J'ai un public fidèle, magnifique, ce qui fait que aujourd'hui je peux fêter mes 40 ans de carrière au théâtre de la Tour Eiffel. C'est que justement, le public m'est resté fidèle depuis l'année 1980, ce qui est quand même, ce qui est quand même le plaisir de toute ma vie en tant qu'artiste, c'est sûr. Merci Julie Pietri. Nous rappelons à nos auditeurs que les dates de vos tournées sont disponibles sur le site internet de la radio madein80.fr. Et puis aussi, rendez-vous fin avril, début mai pour mon nouvel album. On parle du passé, mais parlons du présent. Tout à fait, et on n'hésitera pas à passer des titres de votre nouvel album sur notre radio pour faire plaisir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Made in 80. Bonjour, c'est Julie Pietri sur Made in 80. Alors, on s'écoute Ève, lève-toi. Radio officielle des années 80. Péché, désir, pour un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Saveur amère d'homme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh!